Bonjour à tous, nous sommes lundi matin, j'ai le manteau parce que je vais partir, je vous explique après. J'ai passé ces 5-6 derniers jours en production de la box de novembre, donc ça y est, ce matin j'ai envoyé les dernières box de novembre. C'est du taf, c'est vraiment du taf. J'ai eu les premiers retours des premières box, ça me fait hyper plaisir. Encore une fois, elle vous plaît beaucoup. Là, parce que la box de décembre est actuellement en commande, vous êtes beaucoup à la prendre. Et elle va être top, elle va être top. Donc aujourd'hui, ce qui va se passer... voilà, alors je vous explique. C'est dommage, j'ai pas filmé. Il a miaulé en même temps qu'il a baillé. Ça donne un truc un peu chelou. Donc j'emmène ma maman sur Chartres. Elle sort pas beaucoup, et voilà. Donc j'y allais bien, je t'emmène. On va aller chez Maison du Monde, on va faire un peu tout ce qu'elle aime. On va grignoter ensemble parce que là, il est 11h, vu que j'avais pas mal de choses ce matin, j'étais également chez l'imprimeur pour faire des tests visuels sur le flyer de Noël. Demain, coiffeur. Et je vous le dis, c'est pas du luxe. J'ai un retour approximatif, je suis pas certaine que ce soit net, j'en sais rien. Mais tu te calmes. Là, on est sur 3-4 mois que j'ai pas été chez le coiffeur, je vous avais dit, pour les laisser tranquilles parce qu'ils ont carrément brûlé. Il y a 3 mois, ouais, j'ai fait le voile et ils ont pas du tout aimé, donc j'ai voulu les laisser tranquilles, ne rien faire, mais là, c'est plus possible, il y a trop de racines. On va voir ce qu'on fait. Je sais pas si on coupe parce que je trouve qu'ils sont... Ils ont vachement poussé et j'aime bien. Alors, recommencer. Donc voilà, demain, ça sera coiffeur, mais je pense que dans cette vidéo, vous verrez tout. Ça va être une vidéo sur... une vidéo, bien sûr, sur 2-3 jours. Mais il m'engueule, celui-ci. Je lui donne ses petites croquettes et je file chercher ma maman. Ah oui, aussi. Je vous ai pas dit. Bon, c'est pas bien. J'ai pris un sapin de Noël, enfin avec Eric, et j'ai complètement... je suis sortie de ce que je voulais. Je vous avais dit que je voudrais changer mon sapin, prendre un tradi vert et tout. Mais alors, pas du tout, là. Là, on est parti dans un truc approximatif. Je vais voir à Leclerc. Il n'y a pas de branches. Enfin, si, il n'y a que des branches, justement, avec des petites LED. Ah, je ne l'ai pas déballé, on le fera ensemble et on va voir, peut-être que c'est complètement ridicule, peut-être que c'est fabuleux, ça peut être intéressant qu'on teste ensemble. Nous sommes arrivés, ça va maman? Oh, t'es contente? Super, 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 une bonne détente. Ouais. Bon appétit, j'ai pris une bruschetta, pesto, maman, par contre elle est immense là. Bon, on a terminé de manger, c'était copieux. Là on a fait 2-3 petites boutiques. Notamment chez H&M, il y a des collections, je pense pour les fêtes, j'ai trouvé des petits hauts sympas, je vous montrerai à la maison. Là, on continue quelques boutiques de fringues et après, go to Maison du Monde. Regardez qui c'est qui attend sur son petit banc et qui se remet du rouge à lèvres. Je t'ai vu maman, remettre du rouge à lèvres. Oh non. Si, t'es grillé. T'as trouvé des trucs? Non, pas du tout. Ah par bon contre, Toscane, c'est très très bien. Beaucoup mieux. Mais t'as rien trouvé? Mieux que quoi? Ah, mieux que la matière. Ah ouais? Ah oui. Tu veux qu'on aille chez Nocibé pour ton crayon à sourcils? Ouais, comme ça va être fait. Oh, allez, go. Oh, le temps, regardez. Et je n'ai pas de parapluie. C'est pas grave. C'est bon? Maman qui me dit ça fait au moins 4 ans que j'ai pas été chez Maison du Monde. Elle est au taquet. Alors? Oui, bah j'ai déjà. T'as déjà repéré quelque chose, oui, toi? Oui, parce que je les voulais. Ah bon? Des petites boules rouges pour finir mon porte-serviette. Tu perds pas de temps, toi? Non, mais ça y est, on l'a perdu. Le meuble? 870. C'est quand même joli. Il a trouvé des petits trucs, petite déco sympa, des verres. Il y a une nationale juste en face. Ça se voit que ça faisait 4 ans qu'elle n'était pas allée dans un Maison du Monde. Elle est encore à la caisse, il y a un monde derrière elle. Ah bah elle s'est lâchée. Franchement, il y a des trucs très très mignons. Ah bah là, voilà. Et bah c'est... Qu'est-ce que tu as volé encore, maman? On va finir en prison. C'était la trousse, mais elle l'avait fait, mais il y avait deux petits. Ah. Au lieu d'un bon, t'es contente, ça fait du. Oui. Ouais, il y a des trucs sympas. Bon, avant de rentrer, comme c'est à côté, il y a un grand jardinland. Et c'est vrai qu'à la période de Noël, souvent c'est joli. Ça peut donner des inspirations.
Il doit être 5 heures bientôt là. Ouh. T'es capote ? Les jambes. Ouais, les jambes. Ouais. Toi aussi, non ? Ouais, regarde, il va y avoir encore un beau coucher de soleil là. C'est pas ouf, hein. J'ai souvenir que ça t'en mettait plein les yeux. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de... Il n'y a pas de lumière, c'est pas ici, là. Il y a moins de lumière dans les magasins. Oui. Ah. Ah oui. Ah oui, bien vu. Oh, il est mignon, lui. T'es mignon, toi. Attends, je vais poser la question. Je sais pas qui est. Non. Mais c'est pas toi qui a appelé. Non. On n'a pas appelé, non. T'es fatiguée, non ? Non, je suis déçue. Je m'attendais à un truc plus éclatant. Comme quoi, l'éclairage, la féerie, là, je suis désolée, elle est pas là. Hein. Ah bah non, c'est original. Que des pommes. Oh, j'ai hâte de qu'on teste à la maison mon sapin. Vous allez vous foutre de moi. Je ne sais pas ce que ça donne, mais qu'est-ce que c'est, ça ? Miam. C'est ça que j'ai acheté. C'est gros comme ça, c'est mignon comme tout. Et... Ah, tu veux, c'est ici je que t'as voulais deux. Oh, regarde, maman. C'est adorable, hein. Oh, qu'est-ce que c'est mignon. Oh, bah ça, je vais prendre pour les filles aussi, non. Si tu veux, c'est adorable. Oh. Putain, c'est encore moi, ça. Parce que... Mais j'ai pas... J'ai appuyé une fois, seulement. Mais ça fait rien, j'ai une question. Ah, non, moi aussi, tiens. On ne t'arrête plus, maman. Oh, mais non, mais j'arrête. Non, mais c'est trop mignon. Mais j'arrête, c'est pas grave. C'est, mais non, mais c'est adorable. Il y a trois boules, et puis tant pis, s'il n'y en a pas quatre, c'est pour mettre dans le sapin. J'ai... Attends, on est le combien? Concentre-toi, 21. Nicole. 21. 21. Ah ouais. Oui, mais je sais pas si tu vois. Ah, tu l'as trouvé, c'est lui. 7,95. Ah ouais. Mais je le prends. Bah, prends-le, prends-le. C'était bof bof, hein. J'ai demandé, en fait, c'est parce qu'elle a dit, bon, il y aura peut-être ça, les restrictions, mais en fait, c'est qu'ils ont pris du retard. Ouais, c'est dommage. Il n'y a pas cette féerie, quoi, qu'on retrouvait les autres fois. Allez, on rentre. Me voilà de retour après cette super après-midi. Je me suis mis en piou-piou. J'ai la flamme internationale là, de vous montrer ce que j'ai pris. Je pense que ce qui va se passer, de toute façon dans cette vidéo, hein, ça va pas faire de différence. Demain, coiffeur, et au retour du coiffeur, je vous montrerai et j'essaierai avec vous ce que j'ai trouvé. Ce sera plus simple. Jack, tu m'agaces. Alors, il m'a pas vu pendant, je suis partie combien, 6h, 7h. Je lui donne à manger, mais il est tellement content de me voir que je sais pas. Ça fatigue, hein, de faire les magasins. Bah on va se retrouver tout de suite. Je vous reprends, nous sommes le lendemain matin. Je suis un petit peu juste au niveau du timing. Mes cheveux avant. Oh, la coupe. Dès que j'ai fini, je vais acheter des petits sandwichs. On va grignoter et après, boulot, du montage, du tournage, à fond la caisse. Et c'est déjà bien. Ça va être bientôt mon tour. Regardez ce magnifique blond. Je sors du coiffeur Vogue. Super bien. Ils ont pris soin et tout de ne pas les abîmer. On a fait une patine. C'est super joli. Bon, par contre, j'ai pris des soins que je vais vous montrer. Shampoing sec et tout. Kérastase, c'est cher, mais je vais en avoir pour un moment. Je me mets là. Oh, c'est pas... J'avais oublié ma caméra. Là, j'étais acheter des petites choses à manger. Je nous ai pris des frites et un panini. Ouais. Je vous reprends 2 heures plus tard parce que tout à l'heure, c'était pas la lumière naturelle, j'étais sous des projos. Là, au moins, je suis face à une fenêtre. Je me suis changée parce que je vais tourner et faire des photos, notamment pour un des articles de la somptueuse box, parce que vous me demandez à fond de vous spoiler. Donc, je vous envoie en privé quand vous m'envoyez un petit message et que vous voulez savoir l'un des contenus. Il faut que je m'avance parce qu'en plus, avec les jours qui diminuent, c'est-à-dire la luminosité des 16h, 16h30, c'est foutu, il est déjà 2h. Donc j'en profite à fond. Il est 17h, j'étais en plein tournage et je me souviens plus, il fallait que j'aille chercher chez l'imprimeur les deux flyers, donc les tests, je les ai. Ils sont beaux tous les deux, c'est les mêmes mais avec et sans liseré. Je vous le montre. Alors ceux qui veulent pas être spoilés, ne regardez pas pendant 15 secondes. Donc il n'y a pas de liseré. Quoi, il est pas mal je trouve, avec le, ça ressort mieux je trouve. Dites-moi vous en commentaire avec la petite bordure. Je rentre, je continue mon tournage et je suis partie avec mon truc en doudouille, hein, comme ça.
Voilà, je pense que c'est pas mal. Je viens de faire des modifications parce que j'ai l'impression que, par exemple, le suivi du personnage, donc moi, à chaque fois c'était flou, donc ça m'a l'air pas mal. J'ai mis réactif dans les programmations. Alors, avant que nous sommes le lendemain, j'ai pas pu vous reprendre hier, j'étais vraiment dans le jus, mais j'ai bien avancé. Oui, donc avant que je n'oublie ce que je vous ai montré, donc le flyer, c'était un test, comme je vous disais. Il s'avère que, malgré qu'il soit très beau, il correspond, enfin, il n'est pas harmonieux, je trouve, trop sombre avec le nouveau papier de soie qui sera pour la box de Noël. Donc j'en ai trouvé un autre visuel qui est tout aussi beau. J'aime beaucoup, je vous montrerai peut-être dans cette vidéo, si c'est pas dans cette vidéo ça sera après. Mais là vous l'aurez compris, je vais vous montrer mes achats. Quand j'étais avec ma maman, il y avait trois choses, je crois trois fringues et des petites décos. On va rester ici, ouais. Et la lumière naturelle pour que vous voyez un peu mes cheveux. Même si ça va être optimal, ça va le rendu vraiment, je pense, d'ici quelques semaines. Une semaine ou deux semaines après plusieurs shampoings. Donc, on commence par H&M. J'ai donc deux hauts. C'est la collection de Noël. Ce sont les mêmes, sauf qu'il y en a un vert un peu sapin et noir. Et des tailles différentes. Donc, ça, c'est prévu d'en ramener un. Je ne l'ai pas du tout essayé. J'ai pris taille S et taille XS, donc il est noir. C'est le drapé devant, qui a l'air joli, donc avec une petite jupe ou un pantalon, jean, ça peut être sympa. Donc je vais l'essayer avec vous. Je vous montre quand même, c'est marrant de voir sur le modèle comment c'est, pour voir si vraiment c'est respecté. Voilà, ça c'est le visuel du noir, du modèle. D'ailleurs, on va voir le prix. On a le prix ou pas ? 22,99 la petite blouse. XS, ouais. Je pense que ça va être juste. Le vert, il est beau aussi, j'adore. Alors, bah, le XS, franchement, ça va. Hein. Enfin, moi qui mets du S, il est même grand. C'est fou, ça. Ou alors, je l'ai mal fermé. Non, il est fermé. Et je vous ai pas montré la manche. Et c'est un peu, vous voyez, c'est noir, mais quand même satiné. Et la manche est ouverte, comme ceci. J'ai un bas un petit peu pour être à l'aise à la maison, donc aucun intérêt de vous montrer. Mais faut l'imaginer, waouh, avec une petite jupe ou même un pantalon, c'est joli. Hein. Donc maintenant, on va essayer le même en vert sapin et du coup, une taille au-dessus. S, il est beau, hein. Ah ben non, il faut couper, là. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, il est sympa, hein. Je crois qu'aucun ne va être amené parce que tous les deux sont quelque part différents. Hein. Le vert est magnifique. Waouh. C'est très joli, hein. Toujours la manche comme ça. Ouais, bah, je valide, hein. Clairement. Ma maman, elle a trouvé une jolie veste, qui n'est pas pour Noël, hein, mais une... Attends, que je ne dis pas de bêtises. Si, une veste semi-longue, trop jolie, une trentaine d'euros, donc elle était super contente. Et chez H&M, c'est tout. J'ai trouvé également un petit haut, coup de cœur. Il était en vitrine, j'ai fait « Waouh, je le veux ». C'est pas un modèle pour Noël, hein, pas du tout. Là, c'est un haut que je pourrais mettre toute l'année. D'ailleurs, ça aussi, hein, si j'ai envie, il n'y a aucun souci. Et là, nous sommes chez qui? Que je ne dise pas de bêtises. Promode. 19,99€. C'est vraiment toute nouvelle collection, tout comme celui-ci. C'est pour ça que c'est intéressant de vous montrer. Parce que forcément, c'est toujours en boutique. Attends, Jack. Alors, c'est un col roulé. Enfin, col cheminée. Pourtant, je ne suis pas trop fan des cols roulés. Motif. Alors, je ne sais pas si des petits renards, des petits furets. Enfin, c'est super joli. Et on va l'essayer. Parce que celui-ci non plus, je ne l'ai pas essayé. Ça décoiffe de mettre des cols roulés. Hein. Alors, bon déjà, très confortable. Taille S, hein, je ne sais pas si je l'ai dit. Les couleurs sont belles. Hein. C'est bleu marine, marron, blanc. Ouais, il est un petit peu... Bon, il serre un peu, mais je trouve que ça fait un joli port. Vous voyez? Au niveau du cou, au niveau de tout. Il est beau. Ouais, je me suis dit que ça allait être très sympa. Quand je fais des petites vidéos face cam ou... Ou même sans ça, oh, il est magnifique. Je suis très contente. Voilà, et il épouse bien le corps. Là, il n'y a rien de particulier. Hein. Ce qui donne de plus près. Donc ça, c'était la partie fringue. Il n'y a pas grand-chose. Je vous dis, j'y allais vraiment plus pour ma maman, pour qu'elle en prenne plein les yeux au niveau des décos. J'ai pas pu m'empêcher chez Maison du Monde, si vous me suivez, de me reprendre une petite boule mignonnette de Noël et un, on va dire, un vase déco. Que j'ai dans l'optique de légèrement transformer, customiser, embellir, ce que vous voulez. Voilà, par contre, attention. La boule est forcément fragile. J'adore.
Oui, attends. Je vais lui ouvrir parce que sinon... c'est adorable, le petit renne comme ça, avec son tutu à plumes, les petites pattes pommes, les petites papates comme ça, on dirait des chaussons de lutin. C'est magnifique. Son petit haut est légèrement rose poudré. Il est pénible, hein. Tu es pénible en ce moment, Jack. Donc ça, c'est la petite boule mignonne que je vais poser délicatement. Vas-y. Le petit vase, comme ça, qui fait presque fiole de parfum. Et j'ai dans l'optique de lui mettre un joli nœud que je vais customiser en soie, peut-être dans les roses, dans les parmes, je sais pas. Mais ça risque d'être très beau et évidemment, je vous montrerai le résultat. Alors, ce qui va se passer, parce que là, vous l'aurez compris, vous l'obtenez 9,99€ et la boule, avant que je m'oublie, 6,99€, c'est pas donné, hein, franchement. Oui, donc, ce que je vous ai dit, le sapin de Noël approximatif que j'ai acheté, je ne l'ai pas encore ouvert. Hein. Ça va être vraiment une création sur mesure et je pense que bah, je vais le faire dans le prochain vlog parce que là, j'aurai vraiment pas le temps, j'ai encore plein de choses à faire. Moi, je vais m'occuper du fauve et je vous fais un gros bisou. On se retrouve bientôt pour plein de nouveautés, de découvertes et tout et tout. Arrête, baby. Bisous.